ne s'est pas caché. Non. Tu n'as pas fini tes études. Tu as déjà eu ton doctorat. Tu as déjà le master. Je te dis, il y a des tribunaux de prostitution sur le campus. Hein. Il peut être un boiteux. Tu vois que il ne marche pas bien. Tu vois que sa mère est comme ça. Donc, si il tombe sur moi, non. Je préfère mourir célibataire. Attention. Il y a des gens qui combattent le mariage de leur fille. Parce que ils veulent que leur fille ait d'abord doctorat. C'est un piège. Alléluia. Amen. Si ta fille à l'âge de maturité, c'est vrai, c'est une très bonne chose qu'elle poursuive ses études. Elle est à l'université et doit poursuivre. Il n'y a pas de problème. Mais sache que la destinée aussi n'est pas liée aux études. C'est Dieu qui définit la destinée de chacun. Regardez, je vous ai raconté mon histoire hier. Ma femme était sur les bancs. Mais les parents ont vu que. Ils ont fait des analyses. Ils ont vu que. La grâce que le Seigneur lui a accordée de tomber sur un homme comme moi, même si elle a doctorat, elle ne sera pas aussi heureuse. C'est une parole de foi. Les parents ont exercé la foi. Ils ne me connaissent pas assez. Vous savez, même dans le monde païen là, il y a des gens qui ont le discernement. Quand ils voient les voyous, ils le savent. Même quand tu parles là, ils savent que tu es un voyou. Mais quand tu es sérieux, il y a des parents qui ont le discernement. Même si tu n'es pas riche, tu n'as pas beaucoup d'argent, il y a des parents qui ont confiance. Donc, ne dites pas, ma fille doit finir sa doctorat. Et doit forcément, il faut qu'elle trouve du travail dans tel ministère. Ah, il faut qu'elle travaille dans banque. Avant de venir me parler de sujet de mariage, tu vas créer d'autres problèmes. Je vous dis, quand la femme atteint un niveau dans les études, ça devient un problème même. Parce que il y a l'esprit d'émancipation aujourd'hui. L'esprit d'émancipation que le monde est en train de promouvoir, qui n'a rien à voir avec l'esprit de Christ. Donc, à un certain niveau, il y a des femmes qui ne se voient plus rester à côté d'un homme jusqu'à se soumettre à un homme. Donc, elles se voient maries d'elles-mêmes. Elle a déjà tous les diplômes. Elle travaille. Elle gagne de gros salaires. Elle a payé sa petite voiture. Qu'est-ce qui lui manque? Il ne lui manque rien. Et si pas mes gars, ces femmes vont tomber sur un homme, l'homme devient leur esclave. Toi qui m'écoutes, quel que soit ton diplôme, quel que soit ton savoir, ta connaissance, ton niveau, ton rang, peut-être que tu as doctorat et ton mari n'a même pas BPC. Devant Dieu,
tu dois te soumettre. Tu peux être nommé ministre dans le gouvernement. Quand tu viens à la maison, tu enlèves ton manteau de ministre et tu vas à la cuisine pour préparer. Alléluia. Amen. Tu n'es pas ministre de ton mari. Alléluia. Donc, vous qui aspirez à avoir grand diplôme, à avoir tout d'abord, vous pouvez rater votre grâce. On ne décourage pas les sœurs à avancer dans les études. Ce n'est pas un découragement. Les parents, ayez le discernement. Si ta fille a déjà atteint un niveau, un certain âge, elle vient à la maison, même si elle est encore sur les bancs, à l'université, elle vient à la maison et dit, ah, vraiment, papa, en attendant de poursuivre mes études, je veux aussi vous parler de mon projet de mariage. Voilà, ce frère veut s'engager avec moi. Soyez relax. Ta fille a le bac, elle peut déjà se marier. Bac, et même si le Seigneur permet, même après le mariage, ça suffit que elle et son mari se comprennent. C'est très important. Parce que tu ne sais pas ce que demain réserve. Alléluia. Alléluia. C'est très important. S'il y a l'amour, ne bloquez pas. N'imposez pas votre dictature. Ça va s'exploser. Si ta fille est très gentille et te présente le frère, donne-le de conseils. Il ne faut pas verrouiller. Il ne faut pas prendre un marteau. Ça va casser ta propre tête. Si ta fille a un niveau, tu sais qu'elle a déjà 18 ans, 19 ans, 20 ans. Elle a déjà le bac. Elle continue, c'est très bon. Mais elle vient, elle ne s'est pas cachée. Je te dis, il y a des tribunaux de prostitution sur le campus. Hein. Et on paye. Et c'est des étudiants. Mais ta fille n'a pas fait ça. Mais elle vient à la maison avec le frère. Le frère de la sainte doctrine. Et dit, ah papa, voilà, c'est celui-là que j'aime. Mais et je veux me marier avec elle. Bonjour, il m'a dit non, tu n'as pas fini tes études. Tu as déjà eu ton tatora, tu as déjà le master. C'est toi qui seras perdant, parent. Mais Jésus ne veut pas que tu sois perdant. C'est pour ça que, à un certain âge, il faut être flexible. Surtout que ton enfant, si c'est dans la sainte doctrine, si c'est à Jésus revient, tout va se passer dans la pureté, dans la sainteté, dans la vérité. Alléluia. C'est très important. Le Seigneur veut que ses enfants évitent les mariages fictifs. Le voyage en Europe. Alléluia. En Europe, aux États-Unis, on falsifie le mariage. On falsifie. Il y a même des gens qui sont dans la filière.
Et quand tu veux aller, et ils vont se prendre garant que tu es sa femme. Et on va faire tous les papiers en son nom pour que tu traverses les frontières. Mais tu ne peux pas traverser les frontières du ciel. Donc, si tu es dans ce projet-là, faut déchirer tous les papiers maintenant. Si tu veux entrer au ciel. Si tu veux entrer au ciel. Et tu es en train de faire ce projet en ce moment. Déchire tous les papiers. Mais ceux qui l'ont déjà fait et qui vivent déjà en Europe avant de connaître la vérité, avant de connaître la sainte doctrine, je sais qu'aujourd'hui vous n'allez plus reprendre. Le Seigneur veut que vous appelez, on va prier pour vous. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Je n'ai pas dit, Mando, il faut descendre. Que, comme tu es, non. Mando, appeler. On va t'orienter. Bah, on va connaître comment ça s'est passé. Et te donner des orientations. Pour que ton âme soit restaurée. Pour que l'ennemi ne trouve rien à t'accuser devant le Seigneur. Mais tu dis, c'est rien. Attention. Il faut se méfier des mariages par intérêt. Tu vois que à telle fille, ses parents sont riches. Je vais tout faire. Si j'arrive à marier, c'est que c'est fini. Tu es malheureux. Alléluia. Tu ne seras pas heureux. Dans ton foyer. On se marie pas par intérêt. Mais on se marie par amour. Et dans la crainte de Dieu. Toi aussi, fille. Tu vois que tes frères là, ses parents sont riches. Tu fais tout pour te mettre sous ses charmes, pour le séduire. Alléluia. Attention. Le Seigneur n'a pas acception de personne. Si tu crains Dieu, si tu as la foi en Jésus, si tu sais que Jésus-Christ est le Créateur du pauvre, du riche, de l'aveugle, du boiteux, de toute créature, et tant que la personne vit dans la sainte doctrine, il peut être un boiteux. Et le Seigneur lui met à cœur que tu es sa femme. Et il te parle. Attention. Attention. Si le Seigneur voit que c'est avec son fils malvoyant que tu vas vivre pour qu'il t'amène
amène au ciel. Bénis son Saint nom. Je vous dis la vérité. Nous sommes dans le Seigneur. Nous ne sommes pas dans le monde. Alléluia. Tu vois que il ne marche pas bien. Tu vois que sa mère est comme ça. Donc, si il tombe sur moi, non. Je préfère mourir célibataire. Alléluia. L'amour ne fait pas d'exception. Alléluia. Le Seigneur veut que nous aimons de façon naturelle. Est-ce que c'est toi-même qui t'es créé? Dis-moi. Est-ce que c'est toi-même qui t'es créé? Donc si le Seigneur veut que tu te maries avec tel frère, peut-être même, il peut être même dans fauteuil roulant. Et le Seigneur que tu vis avec lui. Tu ne sais pas ce que ton Dieu a décidé. Ne t'en moque jamais. Je te dis la vérité, oh. Je te dis la vérité, oh. Dans le Seigneur, vous devez vous enlever certaines choses de votre tête. Et savoir que avec Jésus, tout est possible. Alléluia. Je vous dis la vérité. Il faut éviter les mariages coutumiers quand on voit que les mariés s'habillent comme des fétiches, on porte des choses jeggy, des choses là, et on parle de mariage coutumier. On n'est pas dans ça. On voit ça beaucoup en Côte d'Ivoire. On fait chola, on dit que c'est la couture qui fait ça. Et tu dois forcément faire ça là d'abord, avant de... Nous sommes en Christ. Tu payes ta dot. Tu vas à la mairie, on te consacre. Il n'y a pas de cérémonie traditionnelle à organiser. Alléluia. Notre tradition, c'est la parole de Dieu. C'est la sainte doctrine. Alléluia. Est-ce que ça se comprend? Est-ce qu'un chrétien peut adopter un enfant? Éphésiens 1, verset 5 dit. Oui, Éphésiens 1, verset 5. Nous ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Nous avons été adoptés par Christ. Nous sommes des enfants d'adoption dont Jésus nous a rachetés et fait de nous ses enfants. Nous qui étions des enfants d'une autre famille, d'une autre espèce, d'une autre race. Donc, est-ce qu'il arrive que un couple qui n'a pas eu la grâce d'avoir d'enfants, il désire d'adopter un enfant? Alléluia. C'est possible. C'est pas un péché. C'est pas un péché. Parce que sur la même terre que des gens jettent des enfants dans la brousse, jettent des enfants dans la poubelle, et une autre personne va aller trouver ses enfants et les dépose dans un centre
d'accueil. Et donc, un foyer qui est dans la sainte doctrine, qui a la possibilité d'éduquer cet enfant, ce foyer décide de faire la démarche pour recevoir cet enfant qui est jeté dans la brousse, pour l'adopter, pour faire de cet enfant leur enfant. Est-ce que c'est un péché? Ce n'est pas un péché. Donc, un couple peut adopter un enfant. Alléluia. Amen. Acclame pour Jésus. Pourvu que cela se passe dans la transparence. Alléluia. Ce n'est pas que tu as payé de l'argent pour, tu as donné de l'argent pour payer un enfant. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Alléluia. C'est pas ça. Si par exemple, un homme peut-être un peu âgé, peut-être 50 ans, 55 ans, et il veut se marier dans la sainte doctrine. Peut-être que sa femme était morte, il est veuf. Et sa chair est toujours vivante, elle n'est pas, la chair n'est pas encore sacrifiée, donc il continue d'être perturbé par la chair. Et comme la Bible dit, si quelqu'un ne peut pas rester comme ça, qu'il se marie, donc lui, il veut se marier. Mais il ne peut pas commencer par un papa de 55 ans, 60 ans, ne peut pas commencer par faire chaud là des jeunes soeurs de 20 ans, 18 ans, ce n'est pas possible. L'église va l'accompagner. Alléluia. Alléluia. L'église va l'aider. C'est des cas au cas par cas qu'on gère. Alléluia. Alléluia. L'église accompagne. Avec esprit de discernement. Mais ça ne les dédouane pas de la dot. Il doit régler la dot, c'est important aussi. Donc, s'il y a dans l'église aussi une sœur qui correspond à son profil, l'église gère. Alléluia. Alléluia. Pour donner de la joie aux deux personnes. Parce qu'il y a des sœurs aussi, si l'église n'intervient pas pour les orienter, pour les guider, pour les aider, elles vont demeurer comme ça, comme ça, comme ça. Et elles ruminent leur amertume à l'intérieur. Elles sourient dehors, mais à l'intérieur, elles ne sont pas heureuses. Parce qu'il y a encore la chair qui est toujours vivante en elle. Donc, la chair la perturbe. Pour éviter qu'elle soit un problème dans l'église, l'église doit travailler pour les aider à trouver des personnages, des profils correspondants. Mais tout en travaillant sur les caractères. Mais si tu as reçu la grâce, tu te dis, bon, là où moi je suis là, c'est Jésus qui est mon mari. Tu as reçu une grâce particulière. Et tu vis comme apôtre Paul, vraiment comme apôtre Paul veut. Pour entrer au ciel. Alléluia. 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 Donc, je suis clair. Ce, par exemple, si un frère vit à l'étranger et qui trouve une sœur au Togo, peut-être dans les vidéos d'évangélisation, elle a vu une sœur, la manière dont la sœur chante, la manière dont la sœur évangélise, elle dit, voilà,
Alléluia. Alléluia. C'est les serviteurs, les responsables qui doivent contacter. Il peut contacter nous les saints. Il fait contacter les serviteurs, que ce soit au Bénin, les serviteurs qui sont au Togo. Et remonter, l'information doit remonter vers nous. Et nous allons jaucher le frère. S'il est réellement mûr, affermi dans la sainte doctrine. Regarde, quelqu'un qui vient dans l'église et fait un mois et qui veut se marier. Est-ce qu'on va le marier? Non. Ça doit être une personne mûre, mature, affermie. Ce n'est pas de ceux qui font mature vue hein, pour se faire remarquer. Non, ce n'est pas ça. On doit sentir leurs fruits. Tu viens, tu fais 3 mois, tu fais 6 mois. Et tu parles du sujet du mariage. On ne peut pas accepter. On doit voir le fruit que réellement tu es mûr en Christ. Tu es brisé.